advanced flood area. We've lost him. I repeat, we've lost him. This guy is quick. Eh bien salut à tous, c'est Naxi, on se retrouve aujourd'hui pour le test de Urban Trial Freestyle. Alors c'est un titre qui ressemble fortement à Trial Evolution, je teste pour ma part la version PC, à savoir que le jeu existe également sur iPad, sur iPhone, sur 3DS, il existe sur tout un tas de supports, sur PC, Xbox 360 et PlayStation 3. On se retrouve aujourd'hui pour le test de la version PC. Alors ça ne passera pas inaperçu à vos yeux, vous verrez bien que le jeu ressemble fortement à Trial Evolution, et pour cause, il a un gameplay qui est tout à fait similaire avec quelques petits ajouts. On perd par contre sur la version PC la possibilité de construire ses niveaux, c'est le cas sur la version 3DS, c'est le cas également sur Trial Evolution, mais ça n'est pas le cas sur la version donc de Urban Trial Freestyle sur PC. Le titre n'en reste néanmoins pas désagréable, avec un gameplay beaucoup plus permissif que ce qu'était Trial Evolution, c'est-à-dire que vous allez beaucoup moins tomber quand même, des petits ajouts, comme de temps en temps un compteur qui va regarder à quelle vitesse vous avez passé un certain checkpoint, ou alors des compteurs qui vont regarder si vous tombez bien à certains endroits au centre d'une cible, à quelle hauteur vous montez dans certains passages de niveau, et tous ces temps seront partagés avec vos amis directement sur Steam. Donc c'est quelque chose qui est sympa, qui n'était pas le cas dans Trial Evolution, puisque là ça se déroule au sein même des courses. J'ai trouvé à ce sujet les courses beaucoup plus dynamiques, puisqu'il y a pas mal d'événements qui se passent pendant les courses. Vous allez de temps en temps avoir un sol qui s'écroule, vous allez avoir des gens par exemple qui vont vous jeter des caisses, ou tout un tas de petites choses comme ça. Il y a également un compteur, comme là nous le venons de voir, qui va vous demander de temps à autre de faire des flips avec la moto, de réaliser donc des figures. Le jeu comporte 5 environnements différents. Donc ces 5 environnements différents sont soit urbains, soit dans la forêt, soit dans une fête foraine. Enfin, il y a tout un tas d'environnements différents qui sont quand même assez sympathiques, je tiens à le dire. Le jeu tourne correctement, il est correctement optimisé sur PC. Il a une petite particularité par rapport à Trial Evolution, c'est-à-dire que vous l'avez vu, il faut récupérer de temps à autre ces sacs d'argent. Ces sacs d'argent vont vous permettre d'acheter des pièces pour votre moto. Alors il n'y en a pas des dizaines, hein. Il y a par exemple 5 types de pneus, 5 types de cadres et 5 types de moteurs. En fonction, donc une fois que vous les aurez achetés, vous pourrez les monter sur votre moto. Et une fois ceci étant fait, en fait ça vous permettra d'avoir une moto qui est soit plus rapide ou alors plus agile pour tout ce qui est de faire les figures, etc. Donc c'est tout un tas de petites choses que j'ai trouvé relativement sympathique, voilà, moi je tenais à le dire. Le jeu m'a quand même pas trop mal amusé, j'ai joué à peu près 2h30 avant de vous proposer ce test, et comme je l'ai trouvé concluant, je me suis dit je vais vous le partager. Alors pour ceux qui ont déjà travaillé à l'évolution, je pense pas le conseiller quand même, puisque le jeu ne possède donc que 5 environnements et 47 niveaux. Il n'y a pas d'éditeur de niveau, je le répète, parce que ça ressemble tellement à Trial Evolution qu'on pourrait penser qu'il y a un éditeur de niveau. Non. Mais par contre, les niveaux sont quand même pas plus fouillés, mais plus étudiés. Voilà, les niveaux ont été plus étudiés que dans Trial Evolution. On a des passages comme ça où on va passer dynamiquement au-dessus d'un train, où il va y avoir un avion qui va se coucher sur la piste, ou un accident de voiture dans l'arrière-plan. C'est tout un tas de petites choses comme ça qui sont sympathiques, et je tenais à vous les montrer. Toujours, bien récupérer les sacs d'argent qui vont vous permettre de faire évoluer votre moto. On va aller faire un petit passage. Celui-là, je l'ai raté de sac. On va aller faire un petit tour donc dans le menu. On va pouvoir changer les choses de la moto. On peut également acheter de l'équipement pour son personnage. Ça ne changera rien au gameplay, c'est juste un aspect esthétique. Donc, et pour terminer, je vais vous montrer un dernier niveau. Un niveau que j'ai particulièrement apprécié. Un niveau où on est genre dans une espèce de fête foraine qui tombe en ruine. Donc, il y a tout un tas de petites choses qui se passent.
Donc voilà, moi je voulais vous faire ce petit aperçu, j'espère que ça vous aura plu. Le jeu coûte 13,99€ sur Steam. Moi je vous en ai fait une petite présentation comme à mon habitude. Je vous laisse sur ces quelques images en vous souhaitant comme d'habitude de bien vous amuser. Allez, à ciao tout le monde!